Salut les gars, alors dans cette vidéo, on va voir si oui ou non il faut faire le SBC des O Monstro Thiago Silva. Alors, première chose importante, le prix, 15 000 crédits. Donc si vous êtes fan de Thiago Silva, vous pouvez passer à la vidéo suivante, que j'affiche justement ici immédiatement, à ce prix-là, c'est cadeau. Pour les autres, les points forts, comme tout le monde le sait, c'est un joueur de première ligue et brésilien, donc niveau lien pour une hybride, c'est parfait. Sa plus grosse qualité, son jeu de passe à 80, rien à dire, c'est vraiment top pour les relances. On peut voir que globalement, il est solide en défense, avec toutes les stats au-dessus des 80, mais rien d'extraordinaire. Il fait 1m83, donc c'est très petit pour un défenseur central, mais il compense très bien avec ses 90 en détente. Alors, son défaut, la vitesse bien évidemment. Et ça malheureusement, c'est tellement important dans ce FIFA que pour moi, ça sera rédhibitoire. 57 d'accélération, 61 de vitesse. Même avec un style, ça le rend presque injouable. D'ailleurs du coup, je vous ai mis à droite les stats footbin par poste et vous pouvez voir que même en DC, sa note réelle n'est que de 83. Donc clairement, ce n'est pas une carte jouable, faites-le uniquement si vous voulez une petite carte de collection pas trop chère. Pour ceux maintenant qui le voient comme un investissement à long terme, et espère que Chelsea fera une top saison, je vous affiche à l'instant ce à quoi correspondrait 1 voire 2 informes. Et on peut voir que malgré 2 informes, sa carte resterait nettement en dessous de la moyenne, avec seulement 64 de vitesse, donc vraiment les gars, faites-le uniquement si vous pouvez vous permettre de perdre 15 000 crédits, et au début de FIFA, c'est pas toujours le cas. Sinon, c'est de l'argent perdu. Mais moi perso, j'adore le joueur et je sais que je vais jouer avec. Donc, même si ce sera seulement, sûrement en clash d'équipe, je vais le faire. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, moi ça m'aide énormément, et surtout à vous abonner pour les futurs SBC qui vont tomber. Bon match les gars!